Eh bien, salut à tous, comment allez-vous? Moi, ça va très 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 bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit test mode, ça fait un petit moment qu'on n'avait plus fait. Donc, nous sommes ici sur la New Holland FX40, donc une ancileuse que j'ai longtemps que je voulais avoir, que j'ai un petit peu perdu dessus, et voilà, j'avais envie de la présenter. Hein. Perso, niveau de la barre de coupe, je la trouve très très bien faite, hein. Niveau de la barre de coupe, je trouve bien faite. Et au niveau de l'ancileuse, tout simplement, voilà quoi, c'est une ancileuse. On va dire assez bien réalisé. L'intérieur est très très joli. Comment ça joue? Je voulais dire qu'elle était hyper hyper jolie. Enfin, et je vais même vous montrer un truc très très bien. Regardez, je vais mettre les, donc j'appuie sur les gyrophares. Donc regardez, hop, les gyrophares sont activés et une petite touche qui est mise. Hop, j'allume les phares et une touche est mise. Comment dire aussi. Regardez un petit peu en tout. Regardez, je vais mettre là-bas près du foncé. Regarde un petit peu. Tout en bas à gauche de l'écran, quand je l'active, hop, ça va émettre cutter active. C'est pas mal non plus. Qu'est-ce qu'il y a aussi de potable? Il y a à 16 là, il y a les petites touches, il y a le petit joystick là. Hein, pour diriger la buse, marche avant, marche arrière, enfin, pas mal fait du tout. Donc maintenant j'ai un petit peu voulu la montrer, hein, comme ça, de l'extérieur, hein, et on se retrouve tout de suite dans un pré pour la tester. A tout de suite les amis. Donc oui, donc niveau ben, malheureusement elle s'est qu'accrochée la crampe, hein, ici, donc la petite crampe, hein. Donc la petite, hein, donc ça c'est pas attaché toutes les ben, mais elle peut être bien pour un multi. Donc elle est bien parce qu'elle s'est roulée jusqu'à 40, hein, elle a une capacité de presque 1000 litres au réservoir. Voilà, donc maintenant j'ai un petit peu la tester. Juste quand on attache la remorque, hein, c'est pas très réaliste la tâche. Voilà. Oups, déplier la buse. Regardez bien quand je démarre. Je vais un petit peu travailler avec. Et donc vous pouvez constater qu'elle marche très 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 bien. Donc voilà. Donc elle est très très spacieuse. Niveau option, hein, il y a 4, 5, les phares. Il y a la touche 2, je crois que c'est pour les clignotants. Ouais, c'est tout. Donc voilà. Vous avez vu un petit peu plus cette petite machine là qui est pas trop mal. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. N'oubliez pas que le lien sera dans la description. Et bye bye tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner. Et bye tout le monde. C'était Olivier Beau. Olivier Beau, la chaîne 100% Farming Simulator.